Bonjour et bienvenue sur la Gata TV. Bonjour les droïdes, vous êtes en présence du Droid Tech et c'est parti pour Fee Farm sur Nintendo Switch. Il est disponible ailleurs, mais du coup, j'ai eu l'opportunité de l'avoir en cartouche, puisque du coup, je viens de regarder sur Amazon et il est toujours pas disponible et j'ai une personne qui me l'a prêté. Donc, du coup, c'est super cool, merci à elle. Et sinon, le jeu est disponible à 60 balles, si je dis pas de conneries, sur l'eShop. Ouais, c'est assez cher quand même, c'est 59,99€. Enfin, ça douille un peu les jeux Switch là. Et la taille du jeu installé fait environ 1 Go sur ma micro SD. Voilà, au niveau des informations, classe d'âge PEGI 17. PEGI 7, hein. Au niveau de la date de publication, on est sur le 8-9-2023, donc assez récemment. Au niveau des langues, l'anglais, espagnol, japonais et tralala. Ah bah tiens, on l'a là justement. J'étais en train de regarder ma fiche et on l'a maintenant. Alors, je connais pas du tout Fee Farm, je sais pas du tout ce que c'est. Tu veux changer la langue à tout moment dans les paramètres. Et j'ai pas envie de la changer moi. Elle ne m'intéresse pas. Je veux la laisser en français. En japonais, ce serait pas mal. Ah, on aura pu tester voir en japonais s'il y a le. Appuyez sur A pour commencer. Donc, on va découvrir ensemble passer. Non, pas de connexion. Donc, peut-être plusieurs épisodes. On va voir. Et si ça vous plaît aussi. Voilà, simplement. Sachant qu'il y en a un autre là qui va arriver aussi. Normalement, on devrait me prêter un Harvest Moon si j'y arrive. Oh, peut-être j'ai un peu de mal à parler aujourd'hui. Pas sûr si j'arrive à me le décoter. Et sinon, d'autres jeux sont en préparation. Alors, mon monde. Il s'appelle Mon monde. Simplement. Pourquoi se prendre la tête? Bon, sinon, au niveau de l'affiche, si t'as pas déjà vu le jeu ailleurs et que tu viens de le découvrir sur Agatha TV, envolez-vous pour le monde de Fee Farm et créez votre foyer confortable dans le monde enchanté d'Azuria. En développant votre ferme, vous rencontrerez plusieurs personnages adorables avec lesquels nouer des relations profondes. Et vous découvrirez comment mettre de la magie dans vos activités quotidiennes. Et bah, c'est parti! Dormir dans un lit à la maison te fera tes souhaits. Donc là, on va pouvoir faire notre personnage. Arme de peau. Et. Ouais, vachement blanc là. Un peu bronzé. Ouais, ok, on va faire A sélectionner. Européen. Et faire pivoter. Ah oui, on peut regarder le personnage comme ça. B retour. Ok. Là, c'est la corpulence. Ouais. Là, on a les cheveux, les yeux. Écoutez. D'accord. Les yeux, on a ça. Ouais, c'est pas mal. Gros sourcils, hein. Gros sourcils. Putain, des sourcils. Ça peut pas lui faire des sourcils. Ouais, des sourcils. What the fuck. Non. Ah ouais, des sourcils bleus. Je sais pas si ça se fait. Non, on va laisser des sourcils noirs. On va faire un personnage random. Et. Donc là, on a la bouche. Ouais, la bouche, ça me dérange pas. Les cheveux. De plusieurs coupes. Pas mal. On peut le mettre chauve, le mec. Eh, c'est pas mal. On pourra presque croire que c'est Krillin, là. Je veux qu'on la ref. Ok. Papa. Ah ouais. Bah, c'est un peu. D'accord. Il y en a d'autres derrière. Pas mal. Ouais, avec une fleur. Ok. Vas-y, on va le laisser comme ça. Il a une bonne tête, là. Vas-y, si, c'est bon. On s'en fout, de toute façon. Ah merde, il faut appuyer sur A. Oh là là, je sais pas jouer. Un beau jour, en marchant sur la plage et en regardant le sable, un message dans une bouteille m'invita dans un pays lointain. L'auteur avait décrit une île, dans le besoin, unique en son genre, domicile d'un peuple courageux, c'est écrit avec bienveillance. Du bas mon cœur et le vent, je partis à l'aventure. Le voyage était périlleux et mon bateau a sombré. J'ai réussi à m'accrocher aux débris, les voiles déchirées. Soudainement, les eaux se sont calmées et je l'ai vu. Bienvenue à Azuria! Un petit peu de sentiment, c'est pas méchant, on est sur Switch. On a bien les 30 FPS capés. Pas sur un jeu comme ça, les FPS. Ouais, c'est assez cartoony. Bon, c'est vachement cartoony. Pas assez, c'est. À parler. Salut! Ah, j'aurais pu mettre les voix quand même. Quête. Incroyable! Regarde ce que la marée a apporté. Tout va bien. Tu t'appelles Droid Tech, ouais. Et tu as trouvé un message dans une bouteille. Effectivement. Excellente nouvelle! C'est moi qui l'ai jeté dans l'océan et je n'en reviens pas, que c'est fonctionné. Je suis la mère de Merit. Oh, c'est pas mal, c'est un plaisir de faire ta connaissance. À la maison? Oui, elle est disponible. En fait, il n'y a que toi. Je vais essayer d'atteindre notre île, ok. Un lieu magique, rempli de bons amis, mais... Nous sommes encerclés par les tourbillons. Et un blizzard souffle depuis des années et des années dans les montagnes. Et un volcan actif me tasse d'entrer en éruption. Oh. Il y a également une magie sauvage qui a donné vie à plusieurs trucs, mais nous avons réussi à les parquer... Dans la mine.
Et je ne parle même pas de l'ombre et des ronces. Oui, d'accord. Donc, en fait, on t'explique un peu le speech qui va se passer. Oui, Azoria est un véritable paradis. C'est un peu chiant parce que ça arrêtait pas qu'ils mettent des voix et tout. Donc, bon, bref. Non, ne pars pas, en fait. C'est impossible à cause des tourbillons. J'ai une proposition. Je vais faire parvenir un paquet de bienvenue à ton domicile. Et voilà, une belle carte qui indique où trouver les gens et les objets. C'est le moment d'aller voir ta... Entrez dans ta nouvelle maison et découvre-la. Ouvre ton paquet de bienvenue. Ok. Attends, c'est... Ah oui, d'accord. T'es sûr, tu vas adorer ta vie ici. Bah, pourquoi pas. Vu le nombre de personnes qui y jouent, je pense que le jeu, il doit être pas mal. Et vu comment il est en rupture, c'est parce que le jeu, il est pas mal. Et ça, c'est CQFD. Ok, donc là, on a la ferme. Moi, faut que j'aille là. D'accord. On suit, ne plus suivre. C'est cool, ça. Ok, on est dans ta nouvelle maison. Donc là, si j'appuie sur moi... J'ai la carte. Oh, il y a tout ça à visiter. Ouais. C'est long, en fait. Il y a peut-être au moins 40-60 heures de taf, en fait. Là, j'ai un truc. J'aime beaucoup mon loup, en fait. Ah, c'est ça. Non. Quête. Alors là, on va ouvrir nos quêtes. Cool. Et là, on a un almanach. Fabrication. Oh, on verra ça plus tard. Hein. Pas déjà tout commencé. Et là, j'ai un calendrier. Avec des anniversaires, déjà, anniversaire de Eddie. Ça, je connais personne sur l'île, mais c'est déjà l'anniversaire de Eddie. Le what? Donc là, tu suis le petit cœur avec la maison. Pour l'instant, il n'y a rien qui a signé réellement. Là, tu vois, je touche... Ah si, il y a le saut sur B. Mais LR, ZL, ZR, machin, il y a rien. On peut sauter dessus, là? Ouais. Wow, magnifique. Avec ma tête de cul là. C'est trop bien. Par contre, on peut pas tourner sur. Ouais, le personnage peut tourner sur lui-même, mais on peut pas tourner. Il y a pas de caméra derrière. Donc là, on peut sélectionner des trucs. Mais je ne peux rien faire pour le moment. Donc je pense qu'après, on va pouvoir désherber, mettre un truc. Ça, c'est My Home. Ah, j'ai pas pris la lettre. Tant pis. Double cadeau. On va examiner. Tu peux appuyer sur flèche du haut pour ouvrir ton sac à dos et consulter. Ok. Yeah, c'est magnifique. Ah ouais. Ouais, j'ai que des vieux trucs. D'accord. Et après, il va falloir les level up, je suppose. Comme dans... Ok. Ah, c'est cool. Hein. J'ai un lit pour dormir. Les options de la maison. Là, j'ai des sacs, je sais pas quoi ça sert. Et elle est trop bien, ma maison, en vrai. C'est magnifique. J'adore. Qu'est-ce que t'en penses? Si toi aussi t'as le jeu et t'es à mort dedans, bah dis-moi le dans les commentaires, ça m'intéresse. Et qu'est-ce que t'as fait, qu'est-ce que t'as pas fait, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Tous les beaux conseils sont les bienvenus sur Legata TV. Enfin, pro de ces jeux-là, comme tu le sais. Bienvenue à Azoria, à mon ami du futur. Oh. Ok, ouais, Mérite la mienne, je suis une personne capable. Ok. C'est cool. Donc là on a du feu, retourne voir Mérite. Magnifique. Et là on a... Mais elle est déjà là. Elle s'est téléportée. Ça fait un sens, c'est bien Azoria. Ça fait 30 secondes que je suis là. Écoutez la quête. Bon, pas mal d'aliasing, hein. Ça, on le revoit encore sur la suite, de toute façon. Bon, je le dirai à chaque fois. Alors, tes premières impressions sur ta nouvelle maison, le parquet de bienvenue était vraiment chouette, hein. Ouais, grave. Je savais que ça te plairait, Azoria est l'endroit idéal. Pourquoi contrôler les ronces magiques et les phénomènes climatiques, douteux. Ah, du coup, il va falloir que j'enlève les ronces et les phénomènes climatiques, c'est sûr. Que dirais-tu de donner un nom à ta maison pour la personnalité de Droid Tech? Ouais, ok. Ah merde, bah j'ai pas eu le temps en fait. Je me dis un souci de rester entre toi et ta ferme. Ouais. Ah oui, ta maison dispose d'une ferme, là voilà, magnifique. Bon c'est vrai, elle connaît le jour meilleur et il faudra un peu d'huile de coude pour la retaper, mais à côté du tourbillon auquel tu as survécu, ce sera un jeu d'enfant. Et grâce à mon ensemble d'outils flamboyant neuf, je suis certaine que tu remettras de l'ordre en un rien de temps. Ah cool, des trucs pour... Dans l'ensemble d'outils de départ, il est facile d'utiliser tes outils. Va dans les objets et appuie sur A. Le bon outil sera automatiquement utilisé pour la bonne tâche. Ah ça c'est bien ça. Ah et ça, j'avoue, de pas toujours clac 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 arriver dans le menu clac clac clac. Il faut de l'énergie, ok. Avec ces outils de débutant, tu devras réaliser toutes sortes de tâches et tu pourras les améliorer par la suite à la forge de Cinder. Au port pour les boulons et un peu plus de fil. Ok. Essaye d'enlever les roches, les troncs, les arbres sauvages et de récolter de la roquette autour de la maison. N'hésite pas à conserver les matériaux. Aura obtenu. Déjà première quête. Alors il faut de la fibre de plante, de la pierre, du tronc d'être et des roquettes. Enfin, 10-10-5. Oh my god. Donc déjà. Ah on tue déjà des arbres. On va farmer là. Du coup.
Du coup, je reste appuyé sur A là. Mais est-ce que c'est le truc à faire? Je ne sais pas. Ah, cette hache est pas assez puissante. Ah, mais non! Ah, de taper alors. Donc là, je me mets devant. Et... D'accord, faut rester appuyé sur A. On tue les arbres. J'espère qu'on va replanter. Hein. Ok. D'accord, ça c'est de la fibre de plante. Magnifique. Bon, ça joue pas mal. Donc tout se fait avec le bouton A. Okay. C'est pas mal, c'est pas mal. Hein. Bah, du coup, ça en live, ça se fait tranquille. Hein. Bon, après, il faut avoir un chat parce que sinon tu te fais chier, mais. Okay. On va péter de la pierre. Et du dex. Par contre, il faut faire attention à l'énergie, elle a dit Jean Ginette. Aussi. Ok. Tout ça à farmer. Et l'outil, il doit s'user, à mon avis. Hein. Comme dans tous les jeux. Ok. Ok. 5 d'expérience. Pas quoi ça a servi, mais pas de problème. C'est pas mal, c'est pas mal. On examine. Poids en argile. Donc je vais pouvoir créer des poids en argile. Là, je récupère ça. Je récupère de la roquette. Trois roquettes. Et voilà. Il me faut des pierres. Il me faut une roquette encore. Ça, c'est cool. Pierre. En plus, c'est bien d'avoir le truc des quêtes sur le côté. Ça t'évite à chaque fois aussi d'aller dans le menu. Ça va te faire chier. Donc, je pense qu'après, une fois que tu as The Mega Pioche, c'est The Mega Facile. On va faire un petit peu plus, histoire de... Et après, je pense que tout ça, ça va devenir notre truc à nous. Par contre, là, j'ai pas de quoi manger. Faut que je regarde ce que je peux manger. Bonjour! T'as l'impression que ça fait du bien, Zoria. Ah ouais, à chaque fois. Fini. Attends, on a fini notre première quête, les gars. Et les filles. Bien, maintenant, tu as libéré de l'espace. Je vais te montrer comment en tirer profit. Tu veux faire quelque chose, tu dois t'en charger toi-même. Mais c'est facile comme bonjour. Bonjour. Que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur, tu as beaucoup d'options de construction. Tu n'as qu'à trouver les matériaux bruts et commencer à construire. Si tu ne sais pas de quel matériau tu as besoin, consulte l'almanach. Je t'ai déjà parlé de l'almanach, n'est-ce pas? C'est une espèce de guide d'Azoria que tu dois remplir toi-même. Trop rigolo. Commence par construire un meuble confortable à l'intérieur. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Fabrique un pouf tressé et place-le dans la maison. Oh my god. Ok. Qu'est-ce qu'il me faut pour avoir un pouf tressé? Par contre, tu vois, c'est bien parce qu'en bas, là, dès que tu passes à côté d'un truc, t'as la hache, la faucille. Pas mal. Et tout. Bah, du coup, tout ça, il va falloir que je nettoie, quoi. C'est pas mal. C'est quoi ça? Ça, c'est pas de mon niveau. Là. Ah ouais, là, il y a des ronces. Et on peut aller sur les toits. Ouais. Magnifique. On peut aller sur le toit. Okay. Là, je peux pas y aller. D'accord. Ah, tu veux parler quelque chose? Ouvre ton manamanage pour savoir comment faire. Et ben, on va ouvrir l'almanage. Alors, du coup. Et ça lui fait du bien de me voir, je suis sûr. Elle mérite. Bonjour, j'ai encore. Pas longtemps. En fait, t'inquiète. Les premières quêtes sont assez faciles. Je fais ça toute ta vie, donc tu m'impressionnes. De manière générale, la décoration peut être construite à l'intérieur ou à l'extérieur. Les slips ou cours à tous les jours. Et on t'a déjà construit une boîte aux lettres. Tu passeras tout le matin et livrer tes colis, donc n'oublie pas de les consulter. On va construire maintenant un feu de cuisson. Un feu de cuisson dans ta ferme est un moyen le plus simple pour préparer les plats cuisinés. Tu pourras toujours créer un équipement plus sophistiqué plus tard. Tu peux croire cuisiner toutes sortes de plats avec ton feu de cuisson. J'ai cru voir de la roquette pas loin d'ici. Tu trouveras aussi des moules sur la plage. Essaie de construire un feu de cuisson. Ok. Place dans la zone que j'ai à l'extérieur. Cuisine. Fabrique un feu de cuisson. Cuisine un plat avec. Récupère-le. Ok.
Ok. Catalogue de construction. Après, est-ce que je peux le bouger? Ouais, je pense que je peux le bouger. On peut le faire pivoter avec Zelda. Ah oui, d'accord, c'est... le problème, c'est que j'espère que je vais pouvoir le déplacer après, mais... mettre là pour le moment. Hein. Oui, comme ça, mais... Ok, cuisine un plat. Prends mon machin. Ah ouais, roquette. Grille. 5. Là, il y a le temps de cuisson qui est pas mal. Je pense qu'on va pouvoir aussi le... Le speed up un peu ça. Faut que t'as level up pas mal de trucs. Pas mal. 1. Et il faut attendre. Je pense que pendant ce temps-là, pendant que ça cuit, ouais. T'as les colis qui sont là. Cuisine un plat avec le feu. Récupère un plat. Et si je fais X. Retourne voir Mirette. Ouais. Donc ça c'est bien de ne pas rester toujours devant non plus. Ça c'est un bon point. Je sais pas s'il va y avoir des mauvais points, mais pour l'instant, salut! Merci encore de ta venue! Ça va nous dire un chef. Super, montre-moi ce que tu as cuisiné, Doritech. Bravo! Avec un peu de fusion, tu peux cuisiner au fil de tes envies. Comme je t'ai dit toujours, rien ne vaut un bon repas maison. Les plats cuits procurent davantage d'énergie que les aliments crus. De plus, ils se vendent plus cher au marché. Essaye d'utiliser différentes incarnations crues pour voir comment les transformer en plats délicieux. Fais des expériences et libère ta créativité. Enfin, c'est magnifique! Mais comment va-t-elle enfin me parler d'agriculture? Eh bien, tout de suite, salissons-nous les mains et amusons-nous avec quelques graines et des plates-bandes. Et je crois que tu peux m'en laisser des graines et des matériaux de construction dans ta réserve. Ah oui, au fait, tu as une réserve. Va chercher tes matériaux dans la réserve, puis prépare les plates-bandes pour ta ferme et, et plante une graine dans chacune d'entre elles. Okay. Mon feu, il va me faire chier, je pense. Ok, et eh ben on y va. Oula! Petit freeze. Un petit freeze là. Je vais quand même faire un petit peu d'espace. Enfin, je pense que... Ouais. 3 heures pour couper l'arbre. Et évidemment, je ne peux plus avoir d'énergie. Donc c'est peut-être pour ça que j'ai mis 3 heures à couper l'arbre. Peut-être. Là, j'en ai pas besoin pour le moment. Bon, je vais armer. Et... Calendrier, almanach, non, je m'en fous. Carte, inventaire. Voilà, et normalement j'ai légumes. On peut les consommer. Ah ouais! Ouais! Lâcher, fibre plante, ça se mange pas. Et là j'ai des baies. Lâcher. Ah oui, on consomme que un par an, d'accord. Oui, ça rapporte que dalle, effectivement. On a intérêt plutôt de bien cuisiner. On récupère tout. Ça, ça va être embêtant par contre. Ça va être très embêtant. Hop. Ouh, là, tu vois, là j'ai caché mon droïde, hein, mais du coup, c'est il faut appuyer sur plus. Okay. Quand tu appuies sur plus, et bah, t'arrives. Voilà, ici. Je vais te montrer. Ouais. Un sédiment enfin déposé sur le. Ok. Voilà. Ah, faut manger de la viande, hein, sinon on va jamais y arriver. Là, je vais couper ça. Ouais. C'est pas mal. En plus, c'est ouvert à tout le monde. Ouais. Ouais, c'est bon, j'ai compris. Excuse-moi. C'est vraiment ouvert à tout le monde. C'est-à-dire que même si t'as des enfants et tout, tu peux y aller. Hein. Enfin, ça va les amuser à mort. Ça va plaire aux plus grands et aux plus petits. Après, faut se le procurer, quoi. Et 60 balles sur l'e-shop, ouais, quand même. Hein. S'il y a 40 ouais, 40 heures, pourquoi pas. Enfin, pour que ça soit rentable, il faudrait que ça soit 2 euros de l'heure à 60 balles. Ouais. Bon, ouais, 30, ouais, 30 heures, ouais, c'est pas mal. Là, je peux couper. Okay. Ouais, même en martelant, ça sert à rien en fait. On va aller voir ça. Là, ça, je peux pas le faire. Ça, je peux le faire. On va falloir que je fasse autre chose. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Boîte de stockage. Moi, je veux les graines. Stockage. Où est ça? Graines de navet. C'est calme. On va prendre tout.
Le bois, je m'en fous. Là, on a le stockage, on a les pierres. Pour l'instant, je peux garder sur moi-même. C'est pas un problème. Il va falloir que je fasse des sillons. Alors, fabriquer. Ouais, c'est bon, c'est bon. C'est sûr pour planter les graines. Oui, 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 mais. Ah, ça, c'est chiant par contre. Moi, tu l'as fait une fois, elle fait pas deux fois. Et on va voir pour cuire ça. Comme on va travailler, on met tout. Nous on se casse et on va essayer de voir comment on fait. Alors fabrique et place. Non mais pas tout de suite, pas tout de suite, pas tout de suite. Oh. Là j'ai mon inventaire et la tenue. Bon, ça, non. On va appuyer sur plus. Almanach. Outils de fabrication, produits infinis, jardinage et culture. Ok. Donc il faut du limon, du sable. Ah ouais. Et un tronc de hêtre. Info, B retour, plateforme. Là on peut rien sélectionner de ce que je peux voir récolter. Ah oui, on a récupéré un pot, mais là pour l'instant je les ai pas. Comment on fabrique ça? Progression. Progression même. J'ai même pas vu ça. Forage niveau 1, agriculture. Eh, c'est pas mal. Hein. Du coup, on va level up comme ça. Là, on a les outils. Non. Non. On va mettre ce qu'il y a besoin. Non, c'est pas ça que j'ai besoin. Ouais, c'est ça. Donc là, pour le refaire, hein, je sais pas si t'as vu, j'ai fait flèche du bas. C'est juste un carré qu'il faut faire. Non, trois, il en faut. Non, c'est là. Là, pour planter des graines. Dans le catalogue. Et maintenant, il faut que je trouve mes graines. La blague. Where is my grain? Construction. Ah non, là je suis dans construction. Pour récupérer. Le tout c'est de s'y faire. Hein. Après. Quête, calendrier, almanach, inventaire. Fais-moi ce que je veux. Ah, c'est moi qui sais pas jouer. Voilà. Manger ça. Déplacer. Non, pas déplacer. Un petit bug quand même. La graine de navet. Ok. Je vais se présenter dessus. Voilà. Retourne voir Mérite. Bon, au début, c'est un petit peu compliqué quand t'as pas le la routine, mais après ça le fait. C'est parmi nous. À compléter la quête. Tu vas bientôt pouvoir te régaler avec tes récoltes. N'oublie pas d'arroser les graines, sans eau rien ne poussera. Par contre, inutile d'arroser tous les jours de pluie. J'espère que tu t'occupes bien des cultures. Fermé, je sème donc je suis. Ah ah, qu'est-ce qu'on se marre. T'as déjà bien développé ta ferme. Ta ferme. Je parie que tu ne penses même pas à terrible voyage. Ouais, ouais. Tu vas aller voir tes voisins, ils sont sûrement déjà au courant de ton arrivée. Les nouvelles vont vite dans notre petite ville. Je te conseille d'aller voir Eddie, le marin, tu devrais pouvoir le trouver chez lui, dans la baie du séjour paisible. Il aura sûrement un ou deux conseils sur la pêche. On va pêcher quoi. Trop bien. Ok. Donc là. Oh, narrosé. Le problème c'est. Ça, ça sert à rien. Une fois que t'as arrosé, ouais, ça sert à rien. D'accord. Là. Là, je fais flèche du bas sur la croix directionnelle. Catalogue de construction. Après j'appuie sur B. Voilà, graines de navet, j'en ai 6. Autant tout planter.
pense que ça se fait assez facilement. Je rappuie sur B et là maintenant ça arrose tout seul. Enfin, ça arrose tout seul. Je vois en bas là. Donc pour un enfant, ça le fait large. On récupère tout avec X. Cool. Non, je veux pas construire. Non, je veux pas construire. Je vais faire plus. Je vais avoir mon inventaire. Alors, je vais avoir la roquette. Les bois grillés. Ouais, mais ça rapporte rien en fait. Vas-y, j'ai tout mangé. J'ai tout mangé, mais ça sert à rien. Donc après tout ça, ça va être une méga ferme, je pense. Toi, t'as plus d'énergie. Ouais, le poisson, c'est peut-être, ça va peut-être nous donner plus de trucs que de manger des herbes et des fruits. À voir. Ça pompe pas mal d'énergie. Donc j'ai envie de voir un peu ce que ça donne quand t'es vraiment KO. Sachant que j'ai plus rien à manger. Archi drôle. À remplir. Ok. Là normalement je suis aux limites de ma ferme. Ah c'est ça. Et tout ça c'est le bordel qu'il va falloir que je nettoie. Ah, c'est pas mal hein. Là. Aligné. Bon c'est découvert. Clôture en caillou. Mais c'est magnifique ça. Et ça vous faire quoi là? Ah. Saut en olivine. Ouais, j'en suis loin d'avoir un saut en olivine. C'est pas mal. Donc là, ça, je sais pas ce qu'on va pouvoir faire avec le papillon. Tapis de jute. Des câbles. Ça se pourmettre dans la maison. Ah ouais. Du coup, le jeu, il bug direct quoi. Non, c'est assez fluide, ça va. Là, j'ai découvert encore un truc. Miroir personnalisé. Bon, tout ça, c'est pour la maison. On verra si on fait un... Ouais, c'est cool. On verra si on fait un épisode décoration de maison ou pas. Donc là, je vais aller voir... Jean-Pierre... Non, c'est Eddie. À suivre. Putain, il est à l'autre bout de la carte. Ouais. Une téléportation, là. On peut nager et tout. Ouais, c'est le dégât. Il y a des poissons, il y a des gros poissons. Je les attrape à la main. Ah oh ouais, là il faut The Big Canapèche. Non, on peut pas sortir de... Non, on peut pas sortir de l'eau. Une fois que t'es dans l'eau... Ah si, on peut. J'ai vu un truc examiner là. Mais... D'accord. Ok. Et on va aller voir Eddie. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais moi je trouve ça pas mal quand même. Hein. Là, ça fait 30 minutes de record, mais du coup il y aura peut-être un petit peu de cut au montage. On peut sauter. Oh, c'est pas mal ça. J'aurais peut-être pas dû faire sauter. Bon poisson là. Oui, il y a des trucs à découvrir. Tapis en bambou. J'ai trouvé du bambou. Hein. Sur la plage. Et sur la plage, il y a des coquillages. Tu farmes tout, tu prends tout, ça te servira forcément un jour. Et des corails, de l'ammonite. Bon, ça va forcément servir à quelque chose. De toute façon, si on est dans le coin pêche. Le collectionneur de coquillages. Après, je sais pas si ça repop. Je sais pas comment. Un truc là. Passe poulpe. Ok, là il y a un bateau. Et là on a Eddie. Allez, c'est parti, puis après on va se lâcher là. Ouais! Quel est le poisson le plus délicieux? Arme. Rencontre avec les voisins. C'est un plaisir de te voir, Druidtech. Si personne ne te l'a encore dit, je m'appelle Eddie, le vieux loup de merde d'Azoria. Il paraît que tu t'occupes d'une petite ferme. Je ne t'en veux pas pour autant, mais si fermiers et pêcheurs ont toujours été en désaccord. Oublie ça, on n'a pas vraiment vécu. Je crois qu'on n'a pas pêché, crois-moi. Entre les arbres et la mer, ce sera toujours la mer pour moi. Et si vous avez dit te donner un petit cours rapide sur l'art
de la canne à pêche. Voilà, on peut y aller quand tu veux. Alors vas-y, et pêche un poisson d'eau douce ou d'eau de mer, peu importe. Je vais même te passer ma vieille canne à pêche, j'espère qu'elle te sera utile. Enfin, trop bien. Appuie sur L1 pour changer d'équipement. Magnifique. Une fois la canne à pêche en main, lance la ligne de manière à ce qu'elle flotte, arrivée près de la gueule d'un poisson. Ensuite, le moulin lentement, pas trop vite, en hypnotique de toute façon. Non. Après, tu moulines, mais pas d'un seul coup. Si ta ligne devient rouge, c'est qu'elle est sur le point de casser. Dans ce cas, arrête de mouliner le temps qu'elle redevienne blanche. T'as un vrai cours de pêche, quoi. Continue sur lancer avec un peu de chance, tu remonteras une belle prise. Mais évidemment, va pêcher un poisson et raconte-moi comment ça s'est passé. On va attraper un poisson. Ah ouais. Vas-y. Voilà, oula. Elle vient voir là. Vas-y, viens mordre. Oh, il va venir, c'est sûr. Ah. Bon, ce poisson. Allez, viens là, Maurice. Viens manger tous les chocos suisses. Ah, c'est cool. Ah, faut faire attention, faut pas que la ligne devienne rouge. Voilà. Ah, faut le fatiguer. C'est un requin, le bordel. C'est pas possible. J'y arrive pas. Viens là. Ouh. On va peut-être y arriver. Ah, j'ai peut-être eu. Ouais, voilà. Un saumon. Et on va le cuire, le saumon. Ouais. Non, 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 ça sert à rien. Reviens là, Boris. Allez, viens. Ça, ça me pétait les couilles, ça. Non, mais c'est bon, arrête ton char, là. Voilà. On a réussi à pêcher. Bonjour, marin d'eau douce. Mon poisson préféré. Quelle question. Chaque poisson est unique. De la sole à l'espadon. Et je les aime tous. Complétez la quête. Bon, je réussis. Ah, tu sembles bien t'en sortir, Doridak. Dis-moi, comment s'est passée ta partie de pêche? Oh, c'était un calme. Bien joué, la pêche n'aura bientôt plus aucun secret pour toi, et peut-être même qu'un jour tu quitteras la ferme pour rejoindre la mer comme moi, Moussaillon. Et ça suffit comme ça. Je t'ai appris tout ce que je pouvais. Le fretin est devenu une vraie sardine. Je crois qu'il est temps pour toi d'aller voir notre apiculteur local. Miel apiculteur peut t'apprendre à capturer des bestioles et je te conseille de bien l'écouter. Putain, ça me fait penser à Animal Crossing. Délire. Mais je voudrais bien cuire le poisson avant. Je peux pas aller voir Jean-Bernard là. Bah, j'aimerais bien retrouver ma ferme aussi. Je vais pas me guider, c'est un peu la merde. Non mais ferme. Je vais aller à ma ferme, voilà. Ferme. Voilà. Sachant que j'y suis allé par la mer tout à l'heure. Enfin, ou la rivière, je sais pas. Oh, il y a un truc à péter là. En plus, j'ai plus beaucoup d'énergie, donc c'est pour ça que je vais retourner à la ferme. Parce que sinon, je vais avoir des problèmes. Déçu. Des cassis. Oh, tiens, on mange que des cassis. Des feuilles de thé. Ah, super, on va faire du thé. Ah, ça c'est. Donc, faut voir après si ça repop. Non, non, mais coupe pas tout. Pourquoi je peux avoir des. Ah, je peux pleuvoir, à ton avis. Tu penses que je peux faire du cassis? Ou. Faut que je reste là. Question. Une petite téléportation, j'aurais pas dit non. Ah ouais. Ah bah je suis arrivé chez moi. Là je vais pouvoir mettre le poisson à cuire. Et on va se laisser là. Le poisson délicatement cuit. Par contre, est-ce qu'il se défraîchit ce machin là? Bonne question. Préparer. Ça va assez vite au niveau préparation. Non, c'est trop d'art. Après ouais, j'espère qu'il y a longueur de jeu quand même. Parce que là les quêtes on les fait assez rapidement. Bon c'est le début hein, c'est histoire de se mettre dans le truc. Mais j'espère que c'est bien long. Un petit jeu comme ça. Quand je dis petit, je me comprends. Non. Donne-moi ce que je veux. Non. Faire attention quand même. Poisson grillé. Poisson grillé. Valeur 23. Attends, on peut le revendre 23$. Ok. Consommer. Ouais. Pour l'instant, il n'y a rien qui... Oh là 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 là. Ah ouais. Oh, c'est chaud. Hein. Pour l'instant, c'est assez compliqué de récupérer de la méga force. Hein. Donc là, je t'avoue. Je peux pas faire grand chose. Il va falloir que je pêche 15 000 poissons pour arriver à quelque chose. Ok, ok. Eh ben, écoute, on se laisse là. Tu me diras dans les commentaires ce que t'en as. Si t'aimes bien, si t'aimes pas. Si t'as acheté Fiferm, si t'as réussi à l'avoir. Voilà. Et puis, on se retrouve certainement pour un épisode 2. Du coup, on ira voir l'apiculteur. Et voilà. Je te dis à la prochaine sur Gata TV. Salut!